kiss for you. Je dis éviter de taper n'importe comment et surtout n'importe quoi surtout. Moi je fais le très bien le travail. Qu'est-ce qui se fait chier ici? Je parle en global donc voilà. Comprendre tout à fait, voyez-vous. Putain, je vois même pas le temps tourner quoi. Bah écoutez, on les traite pas très bien toujours. Et moi je trouve ça irresponsable. C'est pas une raison pour le torturer non plus. Oui mais je ne le fais pas. Pas une raison. Bonjour, j'ai hâte, c'est fin en plus. Ça fait de ma vie mais je compte bien me racheter. C'est pour me racheter que je suis moins ici. Plus avantageux au moins. La bonne chance. Ah on ne fait que sourire. Au revoir KSD. Recrue, allez-y. Allez-y recrue. Ouais. Allez-y, allez-y. Quelque chose est sûr, c'est que je risque d'être ici pendant un bon bout de temps. T'as sorti un 49. Voilà. Attends, on m'a appelé moi. Y'a quelqu'un qui m'a appelé? Je suis là, je peux y aller, c'est moi. C'est moi, on m'a appelé, hein. Ouais, c'est moi, 6149. On m'a appelé. Y'a une dame qui vous a appelé. Ouais, c'est moi, 6149. On m'a appelé. C'est moi. Mais c'est lequel? C'est moi. C'est le bordel. Voilà. Sérieusement, je suis désolé, t'as vu que je me fais mal organiser cette prison. J'ai pas besoin de... Pourquoi donc? J'ai pas besoin de... Écoutez-moi, j'ai dit non. Daniel, force à toi. Daniel. T'inquiète pas, on se revoit tout à l'heure. Bon. On va se récupérer. Mec, mettez vos armes en safe. Et 6149. Cela fait quand même des jours que j'ai été transféré dans cette prison après avoir signé un contrat. Mon père apparemment a lui aussi signé un contrat étrange, mais il n'est jamais ressorti malheureusement. Cela fait des jours que je suis ici, je n'ai pas mangé et je n'ai aucune idée d'où on va. Mais avec ces gardes armés jusqu'aux dents et les personnes avec une blouse blanche, ne me dit rien qui vaille. Mais ce que je vais vivre à l'instant va complètement me choquer, littéralement. Je vous laisse donc découvrir ce qui va se passer. Deux assistants novices, vous allez partir immédiatement, je veux aucun assistant novice avec moi. Le premier. Ah ben vous m'aviez donné l'autorisation. Les deux, allez, assistant novice, partez. Aucun scientifique à part moi, vous avez compris ou pas? Ok, allez, monsieur Sarkulet, s'il vous plaît. Je suis votre supérieur, vous m'écoutez. Maintenant, tout le monde dans l'ascenseur, maintenant. SCP, c'est quoi? SCP c'est le plus dangereux de la prison. Ah, vous allez bientôt savoir ce que c'est. J'attends là-bas. Qui arrive. Vous m'expliquez pourquoi vous êtes là? J'ai dit que j'ai pas besoin de sécurité. Deux agents me suffisent. Vous allez tous retourner à vos occupations parce que là... Dame, c'est pas pour vous. Et qu'est-ce qui se passe là? On fait une simple ronde, madame, excusez-moi, on vérifiait si tout se passait bien. Et puis on prévenait tout simplement le docteur, comme quoi que si ça se passait bien, il aurait peut-être le droit à une promenade par la suite.
D'accord, très bien. Maintenant, vous pouvez disposer dans ce cas-là, parce que je vais faire mon expérience. Écoutez, faites votre boulot, nous on fait notre patrouille. Je vous remercie, madame. Passez, vous allez vous mettre contre le mur ici. Je ne commencerai pas mon expérience tant que vous ne partez. Qu'est-ce que c'est que ce mec ? À l'intérieur de cette cellule, enfin de cette cellule, de ce cabinet, pardon, il y a un docteur. Ce docteur est là pour vous soigner. Je m'appelle Henri, je voudrais bien. J'ai demandé, vous trois là, rapprochez-vous de moi, je vais vous chuchoter quelque chose à l'oreille. Ouais. Vas-y, dis. Moi, vous allez tous les trois vous faire passer pour des malades de la peste, d'accord? Ça c'est de la comédie. Tout ce que je vous demande, c'est de jouer la comédie, et après vous aurez peut-être la liberté, d'accord? Ah, c'est comme une visite médicale, c'est ça? Mais voilà, c'est ça. Oh, on va commencer du coup. Je n'aime pas trop le, peut-être. Ouais, non, mais quand on voit déjà sa tête de corbeau, donc. Vous allez tous les trois venir devant la porte. Je vais ouvrir. Vous allez tous les trois rentrer en même temps. Je referme. Si cette porte s'ouvre, bien sûr, voilà. Allez-y, rentrez. Mes salutations. Bonjour. Faut regarder moi ce robe. Bien. Par lequel vais-je commencer? Tu viens de bronzer, toi. Vas-y, tu commences, collègue. Je m'inspire pas confiance, je suis dans l'ombre. Bref, venez, allez vous asseoir. Très bien. Ici? Asseyez-vous, oui. Bien. Vous avez de plutôt beaux engins, dis donc. Madame, regardez-moi. Ok, bouge-bouge. Nous, mets-toi à genoux. Reculez, les agents. Petite coupure vite fait, alors les mecs sont en train de ça va prendre en otage et tout dehors, mais nous en fait dans la cellule de 049 en fait on a rien à foutre en fait, c'est ça le truc. Reculez les agents. Ok. Qu'est-ce qui se passe encore? Ah c'est peut... Directement toi, mets-toi à genoux. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Un mec armé. Eh baisse ton arme toi. Attention, ça ce qu'elle fait un peu mal. Tout seul. Baisse ton arme. Non, je la bute, je m'en fous, je la... Alors... Superviseuse, lève-toi. Baisse ton arme. Je vais vous taire, je vous prie. Eh, baisse ton arme. Baisse l'arme, regardez. Wow. Au pire, docteur... Non, on continue la visite. Aussi j'ai besoin d'être soigné. Mais dehors, quand même, t'as un mec qui est en train de braquer les... la sécu quand même, je dis ça, je dis rien. J'ai enlevé ton arme. Putain, mais t'as pas enlevé ton arme. Je peux vous aider, d'accord? Putain, me tient pas. Putain, il me... C'est moi ou le collègue s'est transformé en zombie là en fait? Mets-toi à genoux, regarde devant la porte, viens ici là, viens devant moi. Docteur, vous êtes là? Lève-toi, superviseuse. Rangez votre arme, monsieur. Si, monsieur, on va négocier. Par contre, docteur, notre collègue, il a un petit problème quand même là. Non, ne vous inquiétez pas. Mais je ne sens pas la peste en vous. Ok, sortez. Ah, vous sentez pas la peste? Toi, j'ai pas envie de... Comment ça, j'ai pas la peste? Donc c'est bon, je suis guéri. Mais en fait, on discute. En fait on discute docteur, mais t'as les mecs qui se font juste braquer dehors là. Donc bon je dis ça, je dis rien. Oui mais ils vont s'en sortir. Vous là, allez vous asseoir je vous prie.
Calmez-vous, patient, je vous prie, merci bien. Vous... parlez déjà. On peut appeler ça de l'efficacité. Est-ce que vous parlez? Est-ce que vous parlez, monsieur? Non, en fait, t'as les mecs qui sont en train de mourir sous nos yeux, mais c'est pas grave. Très bien. Ah, allez vous asseoir, je vous prie. Merci beaucoup. J'espère que vous allez bien. Putain, c'est quoi cette prison de ouf? Ah, je vous remercie, Armel, vous savez. Par contre, il me fait peur, son truc. Le reporter a été... D'accord. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Ah, tu ne m'approches pas. Je continue, mon expérience, hein. Parce qu'il n'est pas terminé, du coup, j'ai demandé aux deux agents de... Putain, il fait peur, ce mec. Vous voyez que vous avez besoin de notre aide quand même. Vous voyez que vous avez quand même besoin de notre aide. Oui, bah écoutez, je pensais pas qu'il y aurait des intrus. Ah, je vous ai sauvé, hein, je vous ai sauvé, hein. J'ai buté le mec qui était en train de vous prendre en otage. Hein. Ah, dit... Oh putain, wow, c'est quoi Docteur, il y a un problème avec vos collègues quand même là. Superviseur ce problème. Wow. De rien. D'accord. Aïe aïe. Tu parlais de s'il vous plaît, tu restes avec moi. Bonjour. Oui, je veux les deux agents. Pouvez-vous partir avec toutes vos armes, je vous prie. Calmez-vous, mais pas si calmez-vous, je vous prie. Moi, il y a qu'un seul agent, mais c'est pas grave. Non, non, deux agents, Je... Non, je veux les deux agents avec moi. Voilà, il ne m'approchera pas. Calmez-vous. Fais pas de mal, gentil. Laissez-le. Ils font peur, vos patients, là. C'est bien. Vous êtes sûr que c'est mes collègues, là? Ils sont pas dans leur habitude, hein. Pas d'armes. Pouvez-vous faire partir cette chose-là devant la porte? Elle me fait peur. je vais devoir vous demander de... devant la porte, là. Bonjour. Pouvez-vous sur l'œil, monsieur? J'ai un petit bandage, je me suis fait mal. Et il y a pas longtemps, je me suis fait mal, du coup je devais faire un petit bandage. Ce n'est rien. Je vous faites peur, vous aussi. Agent. Vous pouvez partir. Vous me faites très peur. Pouvez-vous partir avec cette chose qui était devant la porte? Ah non, désolé. Inspecteur, je vais devoir sortir d'ici. De rester très très loin de 0K en fait, s'il vous plaît. Il faut ici, mais... À l'agent, le conduit de l'autre côté, s'il vous plaît. Putain, qu'est-ce que c'est que ces choses? Non, inspecteur, venez. Je reste avec vous, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire de moi? Vous reconduire... Bon. Il est pas superviseuse, je reste avec vous. Bien, j'ai réussi à soigner deux patients. Un des patients est immunisé. Ouais, bah apparemment j'ai pas la peste, je ressors indemne. Apparemment je ressors indemne de la visite médicale. Vous pouvez y aller. Oui, c'est exact. J'ai profité de ce drôle d'événement pour essayer de me faufiler pendant que ce drôle de personnage sortait en même temps que moi. Merci, Doc. Mais... Ah, le mur. Classe D, je vais te demander de retourner dans la cellule. Ah bah... Ah, c'est ce docteur-là? Oui. Bah, on m'avait dit que j'avais pas de la peste. Oh, bonjour, docteur. Peut-être que tu l'as, je sais pas. Je vous ai pas déjà dit que vous étiez immunisé, mais... Je vais raccompagner superviseur, si vous... va essayer quand même. Peut-être... Non, il est perdu. Superviseur aussi, hein. Ah bah, vous pouvez m'ausculter au cas où, docteur. Allez, vous êtes oui. Je fais mon expérience et je veux aucun qui me gêne. Gêné pendant l'expérience. Vous gêne pas, ça a l'air normal. Avez-vous des choses inhabituelles? Non, j'ai quelque chose. Je ne ressens rien du tout, docteur. Il a rien? Non, il n'a rien. A jamais été... Il a été guéri ou alors immunisé. Je me suis jamais senti aussi bien. On va jamais terminer. Viseuse, je ne vous aime pas, mais bon.
C'est un des symptômes de la peste. Se sentir bien. Ah d'accord. Mettre 2 secondes s'il vous plaît. Vraiment il y a des petits problèmes. Alors c'est... Par contre vos collègues docteurs c'est des intérimaires on dirait. Hein. Oh, voilà. C'est étonnant. Non je viens de l'examiner. Écoutez on va le faire sortir. C'est étonnant. Nous, il faudra que je voie avec l'administrateur pour se superviser. Il insulte le personnel maintenant. Non n'importe où. Bien casse-dé, vous allez venir avec nous, on va vous faire ça. Je veux voir mon ami, ma... Monsieur de... le docteur... S'il vous plaît, je veux voir mon ami. Sentez pas. Quel ami? Non, restez dans votre cellule, s'il vous plaît. Je veux voir mon ami. Ne le menacez pas, ne le menacez pas avec vos armes, sinon ça va très très mal se passer. Je sais pas ce qui se passe. C'est pas la classe 2. N'inquiétez pas, la classe 2, je pense qu'elle est vraiment... Problème, AIT, on approche. Bonjour AIT. Il y a un petit problème. Qu'est-ce qui se passe? C'est normal, je l'ai appelé, c'est tout à fait normal. Vous pouvez rentrer s'il vous plaît, docteur? Non, attendez, écoutez, monsieur le docteur, je veux bien coopérer, d'accord? Mais dans ce cas-là... Hein, c'est, il n'a pas la peste, c'est le docteur. Vous allez rentrer ensuite dans votre cabinet, et ne plus jamais en ressortir, d'accord? Non. Vous acceptez de coopérer? Si vous me le faites voir, oui. Vous acceptez? Dans ce cas-là, vous allez me suivre. D'accord. Bien, on a fait un accord. Vous allez tous me suivre. Ouais. Sécurité avec moi. Et moi, je reste là. Je suis, ok. D'accord. Vous inquiétez pas. Tout se passe bien. Ok. Gentil docteur. Laissez passer. À ce stade-là. Tout je me suis rendu compte que dans cette prison-là, il n'y avait que des intérimaires. Voire peut-être... Bonjour mon commandant. Bonjour commandant. Des stagiaires. Attendez, j'ai une petite crampe à mon pied là. Attendez. Allez-y. On attend, vous inquiétez pas. Vos désirs sont des ordres. Ça me fait très mal. Prenez tout votre temps, il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas chercheur, on gère la situation. Monsieur l'agent, C'est vous soignez ça, car moi je ne soigne que la paix. Fais des bouchons. Doucement. Oui, il y a un peu des bouchons là. Pousse, mais là je peux pas bouger. Vous pouvez avancer. Je n'ai pas la peste, ne vous inquiétez pas. Il vous a touché. Ne bougez plus. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Oh putain, mon gars, t'as plein de... Vous allez aller voir votre ami. Oui, on me touchait pas. Vous avez dit déjà que vous allez avoir votre ami alors. Faites pas le malin. Non, docteur. Recule. Il vaudra mieux que vous partez. Je l'ai touché, il s'est fait toucher. Non, écartez-moi. Monsieur, rangez vos armes, il a peur des armes, rangez vos armes si vous voulez. Ce soir-là, ça me fait peur. Je veux pas mourir. Rangez vos armes. Bien. N'hésitez même pas. Docteur, on peut parler, vous voulez quoi? Fermez la porte. Il nous est repensé. Concierge, circulez de là, vite. Dégagez, vite. Faites bien la sécurité. Hein? Concierge. Nice, dépêchez-vous. Concierge. Bon sang. Et on le laisse partir comme ça? Bah, vaudrait mieux, hein. Faudrait pas mieux les dire. Ah, y a pas à dire. C'est vraiment les intérimaires. Oh. Restez la classe D, hein. Ouais, tout de suite. Oh. Comme ça, les meufs. Hein, moi, ça me rappelle la... Vous venez avec moi, classe D. Allez. Ah ouais, tout de suite.
Déjà, s'il vous plaît. Déjà, il était lui. 649. Allez, écartez-vous. 149. Attends, allez-y. Ok. Et là. Vas-y. Par contre, je suis désolé, mais je vais devoir être toute seule, sinon il va me. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est, on va rester là, c'est quoi cette prison de ouf là? Par contre, d'avoir autant donc. Nous avons un accord, monsieur le docteur, hein? D'accord? CP035. Fermez la porte, vous pouvez fermer la clé. Case to success. Faites entrer. Rentrez tant qu'il n'a pas une combinaison, sinon ça va. Trouver une combinaison. Excusez-moi docteur, mais qu'est-ce qu'on fait là exactement là? C'est pas rassurant cette histoire. Tu vas m'aider à voir mon ami. Ouais mais comment ça? Tu vas m'aider à voir mon ami. Voilà. Vite t'es. Ouais, il vient soudainement de... Mettez ce masque. Ouais, tout de suite. Ouais, justement, je commence à me sentir mal. C'est normal. Ah, je commence à avoir une soudaine mal de tête. J'ai l'impression que ce masque est en train de me posséder. Oh. Ça va ma tête. Ah. Je commence à avoir une sacrée mal de tête là. Le masque est en train de me contrôler, putain, c'est quoi ce délire? C'est normal. C'est quoi cette prison de fou? Ah. Ah mon dieu. Ah. Ah. Tiens. Bonjour. Mon ami 049, comment vas-tu? Ah. C'est pas ce que j'ai dû faire pour venir vous. Ah, je comprends. Ah, il était temps quand même, vous en avez mis du temps. Exactement. Celle qui a tué mon ancien hôte. Celui qui me permettait de vous parler. Ouais, un jour, si je la croise... J'imagine pas les dégâts que ça pourrait faire. Par contre, il faut attendre un peu s'il y a des gens là. Exactement, faudrait pas qu'on nous voie en liberté. Vous avez raison. Nous allons attendre un peu. C'est bon, sinon... Mais vous en avez mis quand même du temps. J'ai tellement hâte de me venger. J'ai encore ces petits souvenirs en tête. Nous allons pouvoir... Bon, nous pouvons sortir. Ah. C'est juste dire d'avoir un autre commandant au sein parce que l'ancien commandant... Yes, derrière. Mademoiselle Stark, mais elle est avec quelqu'un. Évidemment, ça serait bête de la manipuler si elle est avec du monde, évidemment. Ça sera un peu compliqué. Effectivement. Je me vois bien élaborer quelques petits plans ici, peut-être. Pour faire la plus belle des vengeances, je pense que cela... Oh, un commandant. Attends.
Bon, je pense qu'il nous a vus et je pense que c'est très mal pour nous. Non, non, vous inquiétez. Bon. Je laisse même pas la peine de fermer. Tellement que je suis soif de vengeance. Oh, on nous a vus. On nous a vus, mon ami. J'ai bien peur que cela soit la fin. Ah, vous avez pourtant pris la meilleure des pièces. Je vois pas quelle est cette pièce là, mais je pense qu'ici nous serons un petit peu tranquilles, mon ami. Alors je vous écoute pour la stratégie. Nous allons pouvoir... Est-ce que vous voulez faire souffrir tout autant que moi? Oh oui, je le veux. Cette superviseuse. J'ai une soif de vengeance contre elle. Bien, j'avais pensé à la contrôle. Exactement. Et à la faire souffrir. C'est exactement ce que je peux faire. Je pense que nous allons attendre ici... Je pense. Quelques temps, si et... vous voyez ce que je veux dire. Oui, je vois, je vois. Je compte la tuer de la même manière qu'elle m'a tué. Si vous voyez ce que je veux dire. Sauf pour la faire encore plus souffrir. Premier. Ah ben on m'a aviez donné l'autorisation. Les deux, allez, assistez à nos vies, partez. Vous êtes à part moi, vous avez compris ou pas? Ok, allez, monsieur Sarkulé, s'il vous plaît. Je suis votre supérieur, vous m'écoutez. Maintenant, tu vas dans l'ascenseur. Maintenant, vous doit respecter la supérieure. Bruh. Oh mon dieu, mon gars. Bruh. Y'a quelqu'un qui a fait bleu. TP. Elle est bizarre cette prison quand même, hein, les gars. Elle tue vos portes. Effectivement. Qu'est-ce qui se passe là? Une table ronde, monsieur, on fait une table ronde, madame, excusez-moi, on vérifie si tout se passait bien. Mm-hmm. Et puis on prévenait tout simplement le docteur, comme quoi, si ça se passait bien, il aurait peut-être le droit à une promenade par la suite. Mm-hmm. D'accord, très bien, maintenant vous pouvez disposer dans ce cas-là, parce que j'ai pas mon expérience. Écoutez, faites votre boulot, nous on fait notre patrouille, je vous remercie, madame. Mm-hmm. Assez, vous allez vous mettre contre le mur ici. Je ne commencerai pas mon expérience tant que... Qu'est-ce que c'est que ce mec? C'est quoi ce mec? Viens, elle est casse-couille celle-là, elle est casse-couille. Oh mon dieu. C'est bien entre collègues, hein. J'aime bien cette prison quand même. Oui, mais c'est pas possible, maintenant c'est une blague. Ils sont plutôt comiques, hein. C'est un poisson d'avril. Mais c'est une blague, je suis dans cette fondation depuis très très longtemps, d'accord. Lui vient juste d'arriver, il va très très vite repartir. Kouka. Non mais c'est pas grave, vous insultez comme ça, calmez-vous. Il faut calmer-vous. Madame, c'est bon, calmez-vous, c'est le temps et voilà et tout. Madame, c'est madame. Madame. Madame, arrêtez de rager, madame. Il est éclaté, ils sont un peu choqués. Ah, je suis d'accord. Calmez-vous. Oh, madame, vous êtes comme ça. Elle est en pétard, la nana, quand même. Ça part en couille. Putain, vous pouvez partir s'il vous plaît. J'ai juste besoin des deux agents. Ils savent faire leur boulot. Deux agents pour faire les TX, ne vous inquiétez pas. Putain, c'est des intérimaires. Je comprends pas pourquoi il y a autant de monde là. Ah, je peux y aller aussi. Bon bah merci Doc, au plaisir. Oula, ça attire. Qu'est-ce qu'ils font? Voilà docteur, il y a des...
Faut leur avec tirer. Attends. Papier. Ah bon, hein. Bon bah du. Bon bah du coup. J'aurais dû pas te prendre, c'est con. Du coup. du coup la série est déjà finie, t'es morte. FDR. FDR. Ouais. Tiens, où est-ce que je me suis embarqué encore? Le masque. Je dois rentrer et prendre le masque. Ouais, je vais fouiller. Entrez et cherche le masque. C'est vraiment destin.